Regardez, monsieur, regardez, des bagues, des montres, des colliers, non? Des dentelles, non? Dites non sans vous gêner. C'est vrai, vous n'êtes pas marié. On fait son métier, son petit métier, et une médaille en argent doré, non? Toujours non? Oh, j'ai trouvé un beau portrait tout encadré. Ah, voilà qui a l'air de vous intéresser. Est-ce encore non? Est-ce encore non? Et si on vous offrait un petit violon? Combien? Combien, je vous dis? On s'arrange toujours entre amis. Je vous permets de l'essayer. Nous conviendrons du prix après. Le soldat s'empare du violon. Il essaie de jouer. Le violon reste muet. Le diable a disparu. Le soldat jette de toutes ses forces le violon. Il prend le livre, il le déchire en 1000 morceaux. Et de Nezy, il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont, où est-ce qu'il va? Le sait-on? Il ne le sait pas lui-même, il ne sait plus lui non plus, et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues. On s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne. On s'est sauvé après le livre déchiré. Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans. Sur la route de Denizy, à cause de ses nuits. Et puis que nous, à marcher, à beaucoup marcher.